dama len ni ñaan yeen ñepp yi neelen Abdul Mayyam fi yaat lolu ci bit tabarakallah ma sha Allah sama president ni ma rafet rafet ci koko gën mané ko rafet rafet ci koko gën Abdul Mayyam yi tok ci demul société rejette également l'enrichissement rapide, visible, ostentatoire et insultant né de l'activité politique. Elle est de plus en plus consciente qu'il provient d'une confiscation et du vol du bien commun. Elle hurle son besoin de confort et de revenu familial minimum par le travail et l'emploi, d'eau potable, d'électricité à des prix abordables, d'élocution, d'éducation et de formation adaptées, débouchant sur de l'emploi possible, de santé accessible, de sécurité, etc. Au gouvernant de répondre à ses requêtes
et de trouver solution à ses besoins dans le rythme possible, mais sans relâche et avec obstination. Le choix des premiers combats et celui de leur intensité dépendent de l'identification des priorités pour notre nation. Toute politique économique se construit à partir de priorités. Nous proposons les suivantes, comme celle du Sénégal. L'éradication de la faim, la lutte contre l'extrême pauvreté et la transition vers la manufacture. C'est autour de ces priorités que l'accélération de la croissance économique du Sénégal sera organisée, qui devra se traduire par une amélioration des revenus et des conditions de vie des citoyens sénégalais, et non par des taux de croissance et autres statistiques trop souvent mensongers. Ces priorités ne doivent pas être perçues comme des objectifs modestes, car il n'y aura pas de limite à la recherche d'un mieux vivre du Sénégalais. Leur choix doit cependant traduire de manière très nette notre souci de ne plus tolérer la faim et l'extrême pauvreté dans un pays ayant bientôt 60 années d'indépendance. Autour d'elle se construira une économie de croissance et de résilience face aux chocs externes, notamment climatiques. La persistance de la faim et de l'insécurité alimentaire dans notre pays, qui pourtant prétend à l'émergence, est inacceptable, intolérable. C'est le signe le plus révélateur de l'échec de son développement. Les moyens de lutte resteront certes l'action humanitaire. Elle sera renforcée sans honte, sans déni mensonger non plus, en associant les femmes et les jeunes dans l'identification des bénéficiaires, en veillant à la plus grande transparence dans les opérations de distribution et de répartition des vivres et soutiens afin d'empêcher un détournement de l'aide au profit des autorités coutumières, administratives ou politiques ou de la bourse familiale à des fins politiciennes. À cette action humanitaire, nous associerons sans délai une action dans la durée, une recherche de résilience. Cela débouche sur le haut degré de priorité à donner au développement de l'agriculture sénégalaise. Les grands principes de notre démarche tourneront définitivement le dos à cette traditionnelle approche visant la recherche effrénée de production à accroître, avec tout le reste, tous les risques de perte de production, de leur valorisation insuffisante, de l'absence de leur déplacement optimum vers les centres de consommation, notamment urbains. Ils seront les suivants. Celui d'une approche filière, de la fourche à la fourchette, mettant en relation, d'une part, les productions existantes, les productions à développer et les productions à créer, et d'autre part, les marchés locaux, les marchés nationaux, les marchés sous-régionaux et d'exportation lointaine. Une approche intégrant la recherche de qualité des productions et des éléments de logistique et de marketing sera engagée. Une approche par la recherche du développement des rendements, la recherche de résilience dans un contexte d'extension de l'urbanisation qui réduit les superficies consacrées à l'agriculture et crée l'exode rural exige un accroissement des rendements et une intensification de l'agriculture. Les moyens en seront le recours à des intrants de qualité, en impliquant les coopératives de production et en leur laissant le choix de leurs fournisseurs, en abandonnant bien évidemment le système actuel par lequel l'État choisit lui-même les fournisseurs et les produits sur fond de clientélisme et de corruption. Le recours systématique à des semences certifiées et le contrôle de la qualité des engrais et de leurs conséquences sur l'environnement. Le renforcement de l'encadrement des producteurs par le Conseil et par l'utilisation des médias et de l'e-conseil. La promotion des relations réfléchies et d'intérêts mutuels entre les exploitations familiales et les grandes exploitations à chaque fois que cela s'avère possible, en capitalisant sur les leçons positives retirées des exemples de la tomate et du coton au Sénégal ou de best practices identifiées hors de nos frontières. La maîtrise de l'eau pour ne plus dépendre de la seule pluviométrie et faire durer l'essentiel de l'activité agricole au Sénégal au-delà de 2 à 3 mois pour an. La véritable résilience contre la faim ne saurait privilégier l'arrimage d'une agriculture au commerce mondial, encore moins en faire dépendre l'alimentation d'un peuple.
C'est pourquoi, au-delà d'une approche globale, nous construirons autant d'autosuffisance que possible dans le cadre de projets spécifiques. Ils concernent la tomate, le maïs et en premier lieu la part nécessaire à la production des aliments pour bétail, élément important de la compétitivité de notre élevage, les moutons de Tabaski. L'autosuffisance pourra aussi être établie pour le riz entier, dont les excédents seront exportés afin de rechercher un équilibre de la balance commerciale pour cette céréale. Pour ce qui concerne la pêche, priorité sera donnée à la pêche artisanale et sa gestion par octroi de licences de pêche est prise en compte des repos biologiques à observer afin de permettre le renouvellement des espèces. La lutte contre le gaspillage de nos eaux par moyens satellitaires de surveillance et le renforcement de notre marine par l'acquisition de navires garde-côtes relève de questions de souveraineté et d'absolue priorité. Les négociations d'accords de pêche au profit des pêcheurs sénégalais avec nos voisins immédiats, Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, seront à chaque fois engagés dans le respect des intérêts réciproques en jeu. Un gros effort d'explication et de justification sera déployé en direction de nos ressortissants pour amener au respect des lois des pays voisins, mais aussi celles du Sénégal. La réduction drastique et la gestion très contrôlée des licences de pêche délivrées à des navires étrangers seront des axes majeurs de notre politique de pêche. L'accroissement de la part de plus-value locale par la transformation des produits frais sera recherché et le débarquement obligatoire d'une partie des pêches effectuées par les navires étrangers y contribuera. Une grande importance sera donnée au développement de la pisciculture comme réponse au plafonnement des prises de la pêche hôtelière. De même, les réformes qui seront engagées pour assurer le développement de l'élevage correspondront à une véritable révolution. Elles viseront la réduction progressive de la transhumance devenue incompatible avec la disparition des pâturages libres et l'exigence d'une viande de qualité. La modernisation de l'élevage par la stabulation et la culture de plantes fourragères. En ce qui concerne l'agriculture, la mise en œuvre d'un programme rigoureux de construction d'une compétitivité au profit du consommateur sénégalais permettra de la rendre plus concurrentielle face aux importations. L'objectif est donc double. D'une part, protéger nos consommateurs sénégalais contre des prix excessifs par rapport aux normes mondiales et accroître la consommation de cette viande. D'autre part, résister par des prix concurrentiels aux importations de ce type de viande qui seront toutefois soumises à des contrôles qualité rigoureux. Je veux faire remarquer que ceux qui nous ont fait l'installation verront leur règlement réduit pour non-disponibilité de climatisation. Dès lors que nous avons retenu d'ériger la lutte contre la faim en priorité ayant rang de sécurité nationale, nous mettrons en place des avantages fiscaux très particuliers pendant 5 années renouvelables réservés aux produits du cru et issus de la transformation artisanale par des groupements de femmes. Une protection douanière, toutefois limitée dans la durée, pour éviter la constitution de rentes locales aux dépens de consommateurs sénégalais, une aide à la consommation, à la commercialisation des productions, prenant principalement la forme de l'assistance pour la mise en place de coopératives et l'accès aux marchés locaux, nationaux, sous-régionaux et internationaux, comme construction de Al-Nouma, facilitation de participation à des foires, etc. De cette phase de notre programme reposant sur la lutte contre la faim par le développement de l'agriculture, nous attendons l'augmentation des revenus dans les zones rurales qui sont celles de plus grande pauvreté, la réduction du déficit de la balance commerciale et donc des paiements du Sénégal, il en résultera une économie en devise, la création d'emplois, notamment par une meilleure gestion de projets tels les domaines agricoles communautaires, les villages du millénaire, la réduction de l'exode rural et de l'émigration en même temps et même le retour vers la terre et le désencombrement de certains centres urbains. Notre projet pour l'agriculture sénégalaise repose également sur des projets et programmes essentiels
identifiés comme prérequis ou corollaires à sa mise en œuvre. Parmi eux, la réforme foncière et l'aménagement du territoire doivent conduire à la définition de terres agricoles inconstructibles, par exemple la sauvegarde de ce qui reste de la zone des Nianes, la préservation de terres dédiées à l'agriculture autour des villages, avec définition des zones d'extension de l'habitat. Un programme de reboisement par le nouveau service civique national, en particulier avec arrêt de la coupe de bois, excepté dans le cadre...